1083, c'est la longueur de la diagonale de l'hexagone en kilomètres. Mais c'est aussi la marque d'un jean bio entièrement confectionné dans l'atelier Anaïs à Marseille. Au départ, il y a la rencontre entre Thomas Huriez et les frères Birgine, arméniens arrivés à Marseille dans les années 80 et qui, pour faire survivre leur atelier, avaient accompagné la délocalisation de leurs clients en refaisant le voyage en sens inverse. On a été chercher des usines en Turquie, notamment en Tunisie, au Maroc, donc partout un peu dans le bassin méditerranéen. Et nous avons gardé l'ensemble des machines, mais ça ne fonctionnait pas beaucoup. Lorsque Thomas décide, dans sa boutique de mode éthique à Romans, de fabriquer un jean bio, made in France, vendu en direct sur Internet, il lance un financement participatif. En 2013, les 400 premiers souscripteurs de ce jean qui n'existe pas encore vont permettre à l'aventure de démarrer avec les frères marseillais. C'est les seuls à m'avoir fait confiance et à avoir accepté mes petits volumes de production que je leur demandais de confectionner il y a 2 ans et demi. On a choisi de relocaliser le jean parce que c'est vraiment le symbole de la mondialisation et de montrer qu'on est capable encore de le faire en France avec des matières premières transformées localement, c'est-à-dire qu'on file, on teint, on tisse et on confectionne en France. Bah, du coup, c'est un pied de nez un peu à ce modèle de mondialisation dont on voit les limites en quelque sorte en ce moment, quoi. Ce qui coûte beaucoup plus cher depuis 50 ans, c'est pas tant la confection, c'est plus la distribution. Et donc notre innovation, elle a été, pour réussir à relocaliser, de raccourcir la distribution pour garantir des prix de vente plus abordables. Ça veut dire que les jeans qui sont fabriqués à Marseille, ils sont directement vendus aux consommateurs. En fait, tu peux régler la largeur, tu peux régler l'épaisseur. Ça faisait combien de temps que vous n'avez pas acheté de machine ? Ça fait quand même quelques années. Je crois que les derniers, ça doit remonter il y a 10 ans, quoi. Le projet de Thomas a bien fonctionné et nous avons embauché 4 autres personnes. Donc aujourd'hui, donc l'atelier fonctionne avec 6 personnes. En 2015, on a dû fabriquer pas mal de pièces, en fait, plus de 10 000. Pour conserver en France emploi et savoir-faire, il n'y a pas forcément besoin d'occuper une très grosse partie du marché. Avec un peu plus de Made in France, la disparition totale de certains secteurs pourrait être évitée. Les centrales d'achat, les grandes surfaces, les politiques peuvent leur demander de garder un certain pourcentage de leurs produits made in France, pas que le textile. Aujourd'hui, c'est vraiment possible d'avoir une mode éthique de la tête aux pieds, à des prix globalement cohérents et abordables, puisque nos jeans sont à 89 €, nos t-shirts à 25. Il y a des produits chinois qui sont bien plus chers que les nôtres, donc on essaie vraiment de montrer que c'est possible. Le fil est teint en France, mais les colorants utilisés ne sont pas fabriqués en France. Parmi les développements qu'on envisage, il y a effectivement la relocalisation des colorants et le remplacement de ces colorants que l'on utilise, qui sont bio, par des teintures végétales, avec notamment les cultures d'indigo de Provence, qui nous permettraient peut-être de reteindre nos jeans avec un colorant naturel et local, l'indigo de Provence. On est en train de chercher à investir dans le tissage pour réussir à recycler d'anciens jeans. On est en train de travailler sur les finitions aussi pour proposer des délavages écologiques avec des procédés laser. Donc tout ça, c'est nourrissant intellectuellement, c'est excitant. Et puis c'est des nouveaux ateliers à mettre en place, donc c'est des nouveaux emplois que l'on espère créer demain. Un détail, des coordonnées, un commentaire ? Rendez-vous sur le site de Prioritaire.